Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore333, on se retrouve aujourd'hui sur les Sims 2, parce qu'il serait peut-être temps de terminer ce let's play quand même, hein, une bonne fois pour toutes, et de passer aux Sims 4, chers amis. Peut-être même aux Sims histoire de naufrager, pourquoi pas, entre les deux, ou en parallèle. Mais il faut passer aux Sims 4, j'ai tellement de projets, vous vous imaginez pas les amis. Ça va vous plaire, hein. Bien sûr, on ne passera pas par la case Sims 3 et on ne touchera pas 20 000 Simflouz. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait, Fanny? Elle fait n'importe quoi. Hein. Je vous rappelle que c'est un chat vieux qui peut nous claquer entre les... à 29 jours, qui peut nous claquer entre les doigts à n'importe quel moment, ce chat. Pareil pour Alapache. Où est-il? Bah, il est en train de se faire laver, d'ailleurs. Tous les deux peuvent nous claquer entre les doigts à n'importe quel moment. Hein. Qu'on se le tienne tous pour dit. Alors, du coup. Toi. Petit pipi. De qualité. La douche qui va bien avec. Tu vas me nettoyer ça quand même. Ah, tu pourrais réveiller ton... Comment il va le bébé au fait ? Je vous rappelle qu'on a Théodène maintenant. Qui sera justement l'objet des Sims. Des Sims 4. De mon let's play sur les Sims 4. Ce sera lui, autour de lui, que nous allons faire de grandes choses. J'en suis sûr. Mais ce let's play était quand même bien. On est à la 70e vidéo. Ça se fête, hein, chers amis. Ça fait beaucoup de vidéos sur les Sims 2. Je sais pas s'il y a des gens qui en ont fait autant sur Internet. Hein. Je demande à voir. Alors, en distraction, tu vas peut-être pas réveiller ton chéri. Tu vas regarder tout simplement la télé. Moi, j'attends que ce Kenyo, là, il soit en âge de pouvoir lui apprendre plein de trucs. J'ai beaucoup de projets. Vous remarquerez qu'il ne dort pas. Hein. Il est en train de nous juger, là. Mais pourquoi tu te mets là? Ça, c'est quand même mieux foutu dans les Sims 4, c'est qu'on peut changer de position quand la télé est allumée. Parce que là, du coup, ça sert à rien, ce qu'elle fait. Voilà, et puis là, tu vas re-rallumer la télé. Résultat des courses, inutilité totale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ennuie, lui, déjà? Ah, ça? Bon, c'était il y a un petit moment, maintenant. C'est oublié, tout ça, c'est oublié. La guitare qui prend qui a pris la neige, hein, bien sûr. Et elle marche toujours après. Et le tapis de jogging également. Sans compter le télescope à 3000 boules. Qui a également pris la neige et qui fonctionnera encore après. Quelle heure il est? 6h du mat, on peut plus se faire enlever par les extraterrestres. Ça serait pas mal qu'ils tentent le coup. Non, pas te laver les mains. Par contre, tu vas servir le petit-déj de céréales. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hey, t'avais pris un peu de poids, même toi. Vous mangez. Oula, ça bug un peu. La neige est en train de partir, c'est pour ça. Voilà, désolé, chers amis. Elle a visiblement fini de regarder la télé. Tu peux l'éteindre. Vous mangez bien... Bah non, toi, tu vas aller au boulot. Ah, c'est embêtant, ça. C'est très embêtant. Pour l'instant, tout va bien. Mais il va y avoir un moment où il va plus y avoir personne, ici. On n'a pas prévu de nounou. Ah si, c'est bon, nickel. On est pile bien synchronisé, je pense que c'est fait exprès. Il est bien foutu, ce jeu, quand même. Hein.
Il faut reconnaître. En plus, elle profite de mes... T'as intérêt d'avoir ta promo, hein? Parce que là, tu profites de tous mes amis, là. C'est plutôt bien foutu dans les Sims 4, je trouve, parce que ça, le fait d'avoir des amis, c'était un peu relou. Maintenant, dans les Sims 4, vous le verrez, hein, parce que c'est dans pas longtemps, mine de rien. Les promotions de carrière, tout ça, ne dépendent plus forcément de... Ouais, bah mange un petit peu quand même. Ne dépendent plus forcément des amis, du nombre d'amis que vous avez. Allez, go! Parce que si t'es en retard, après, tu vas perdre en promotion. Voilà, parfait. C'était un désir, apparemment. Tant mieux. T'as fini? Bah, par la même occasion, finis son bol à elle, parce que t'as encore faim. On n'entend pas bébé pleurer si vous tendez l'oreille. Prêtez l'oreille sans ristourne. Et vous remarquerez qu'on n'entend pas bébé pleurer. Ça, c'était pas prévu non plus. Mais si on avait entendu bébé pleurer, on l'aurait peut-être pas ressenti cette vibration de l'air. Allez, mets les restes de côté, ça fera des céréales en reste. Je sais pas si vous avez tenté ça, les amis. Ça doit être très fort. On a une nounou, enfin on a une boniche qui s'occupe de ça, pas besoin de nettoyer. Je me prends la tête moi des fois pour rien. Hein. C'est fou ça. C'est bien à la page. Enfin la boîte aux lettres c'est pas l'idéal, mais c'est bien quand même. La boniche, tiens, je parlais de toi. Je disais que je bossais trop et que je te laissais pas assez de boulot. Vu l'argent que j'ai, je peux largement me permettre de te laisser tout faire. Lui, c'est bon. Tu t'occupes de bébé un petit peu? Vas-y, on le laisse se lever. On est des caïds de la Tessie. Il est cool ce gosse, hein. Franchement, il pigne jamais, hein. Tiens, vas-y, dégourdez-vous, c'est vous les pattes. Fais un petit câlin et puis tu le reposes par terre. De toute façon, il tombera pas plus bas. Pas de facteur. J'ai entendu à la page faire quelques petits cris. On va prendre ce point de vue-là. On ne l'a pas souvent pris, voire jamais. Et ça fait plaisir de changer un peu de point de vue dans cette maison. C'est bon, tu le laisses. Qu'est-ce que t'es? Ah, porté. Non, non, tu peux le reposer par terre. Voilà. Il se démerde. Sale gosse. Bon, la piscine, c'est un peu foutu vu la température qu'il fait. Ça, on a abandonné l'idée, hein, bien sûr, puisque de toute évidence, je n'ai pas la main verte. On fera peut-être mieux dans les Sims 4. Ouh là là, attention! Jessica ressent les premiers symptômes d'une bonne grippe quelques heures avant le match et en fait part au médecin de l'équipe. Il s'agit d'un médecin remplaçant, donc sous-entendu quelqu'un qui n'est pas forcément très doué, qui explique à Jessica qu'il y a deux options. Petit A, tu avales quelques pilules d'un médicament antirhume ultra puissant qui traîne dans l'armoire à pharmacie depuis 3 mois. Petit B, tu essaies un médicament à base d'herbe qui lui a été récemment recommandé par un herboriste, sachant que c'est un naze. Donc moi j'aurais tendance à tenter les pilules moisies. Est-ce qu'on fait confiance au remplaçant ou pas? Allez, plouf plouf, ça sera toi que je vais choisir au bout de 3, 1, 2, 3. Conformément aux instructions, Jessica verse le sachet de plantes médicinales dans un bol d'eau bouillante et place une serviette sur sa tête pour inhaler les vapeurs qui s'en dégagent. Les effets ne semblent pas spectaculaires,
Mais elle décide de se rendre à l'échauffement. Sa tête se met à tourner et des vaches roses chevauchées par des lutins commencent à apparaître sur le terrain. 5 minutes après le coup d'envoi, Jessica a déjà commis 7 fautes dues, selon ses dires, à des interférences bovines. En gros, elle a mis des coups aux personnes. L'entraîneur, perplexe, recommande que Jessica soit momentanément suspendue pour suivre une évaluation psychologique pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau, voilà, au niveau du casque. Jessica perd donc une journée de salaire et 2 points de charisme parce que, voilà, parce qu'on n'a aucun respect, parce que, voilà, on veut me rajouter du boulot. Tout simplement. Ils font chier, hein. 2 points de charisme, quoi. L'arnaque. J'aurais dû prendre les pilules moisies depuis 3 mois. Mustapha. J'ai terminé mon travail, voulez-vous faire un petit tour? Non! Casse-toi! Minou! Bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Hein. Il est toujours en rogne, lui. Hein. Mais comme il bosse pas, pas d'inquiétude. Tiens, va faire des petites caresses à la pache. On va lui gratter le ventre aussi. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oh, c'est le type pépère! C'est le type pépère, ça! Oula! C'est bien ce qu'il me semblait que j'entendais quelque chose au loin. Il s'est chié dessus! On va changer ça tout de suite. Vous remarquerez qu'on ne le nourrit pas. Hein. Et sans vous spoiler... Ça aura une incidence sur ce qui va se passer dans les Sims 4. Mais je ne vous spoil pas. C'est la surprise. J'ai déjà prévu tout un scénario. Ça va être beau. Ah, j'y ai mis de l'amour dans ce let's play qui arrive. Ça, c'est beau, ça. Le talc. Au niveau des fesses. Hop là, et la couche neuve. Il te change ça comme on recharge une M4. Tu le refous par terre, bien sûr. Quoi? Quoi? Encore quoi? Fais-lui un petit câlin. Oui, bah je sais que je travaille pas. C'est bon? Refous-le là-dedans. Pour l'instant, il a pas l'âge pour. Allez hop! Dans l'enclos! Au newf! Eh ben voilà, il dort! On le nourrit pas. Et il dort. C'est parfait. On va pas être payé. Enfin, elle va pas être payée. C'est magnifique, hein, c'est super. Franchement, je. Chapeau l'artiste! Je commence à regretter de m'être marié avec elle. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire en hiver. On va rentrer dans le jacuzzi. Ça fait plaisir, ça. Ah bah ça, c'est la meilleure, ça. Elle a quand même eu sa promotion. Mais c'est fou ça! Au final, elle a quand même eu son salaire! C'est complètement débile! Bah, c'est pas pour me déplaire, hein. Elle a juste perdu, du coup, le charisme. Bon. C'est pas. Ou les contrats juteux. Elle est donc idole. C'est pas mal! C'est pas mal. En plus, elle a déjà tous les points pour la prochaine promo. Moi, je dis, voilà, c'est dans la poche! Tiens, va faire tes besoins et puis après tu t'occupes de bébé. Ah bah non, il dort. Bah tu vas récupérer tes points de... Quoique non, tu vas maigrir un peu.
Enfin, tu vas prendre du muscle. C'est important. Faire de l'exercice, ça te fera pas de mal. Lui, il se détend, hein. Posait. S'il nous joue un petit truc pendant qu'elle en chie. J'ai cru qu'il se rhabillerait pas. Hein. Comme elle a tous ses points de physique, elle a l'habitude. C'est easy. Elle se met en dixième vitesse. Et vous remarquerez qu'elle ne glisse pas hein, sur le... C'est là qu'on voit les personnes qu'ont 10 points en physique. Ça mériterait presque une photo, ça. Elle est toute souriante. Cette vue. C'est beau. Bon, elle a repris. Elle n'a pas encore la pleine forme. Toi, tu pourrais peut-être. Ah, carrément! Vas-y, on va tenter. On va tenter l'expérience. Parce que j'ai l'aspiration à la connaissance, je pense que c'est pour ça que je peux, si je le souhaite, invoquer les extraterrestres. Parce qu'on est Fox Mulder, nous! Ça rigole pas. En pleine journée. Je pense que c'est plutôt la nuit qu'il faut tenter l'expérience. Oh là là, oh là là. C'est pas possible, il y a un toit à cet endroit-là. Mon personnage se fait enlever par les extraterrestres. C'était pas forcément le but, hein, d'autant que je pensais pas que ça ferait du one-shot. Bon. Moi, je sais ce qui se passe quand on se fait enlever par des extraterrestres. Vous vous souvenez pourtant de sa venue au monde, comme si c'était hier. C'est fou ce que les enfants grandissent vite. Tant mieux si tu grandis, mon petit gars. J'ai prévu des choses pour toi. Regardez ce qui se passe sur mon personnage. Il est en train de vivre des choses. Je crois qu'il joue à un meilleur jeu que nous. Hein. Eh ben quoi? Ah, tu pues. Eh ben, hop. Il fait nuit. Non, pas de nettoyage. C'est l'autre qui s'en occupe. Du coup, c'est bon. Ouais, c'est pas encore ça, mais ça passe. Nullos affligeant. J'avais pas fait gaffe à ça. On n'aura plus à se poser la question très difficile. Pyjama ou sous-vêtements pour dormir? Moi, généralement, j'ai tendance à prendre en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. On dort pas en sous-vêtements de préférence quand il caille dehors. On préférera toujours le pyjama. Du coup, on n'aura plus à se poser cette question-là dans les Sims 4, puisque, effectivement, il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a qu'une seule tenue. Après, on peut naviguer entre plusieurs tenues qui font la tenue du dodo. Et ça, je trouve ça mieux foutu, pour le coup. Eh ben dis donc. Ah, il me le ramène. Ça bug pas du tout avec la maison qui est dans le décor, qui est très pixelisée d'ailleurs. Il a mal au derche.
ce bruit là que vous venez d'entendre, il signifie que mon personnage, oui, mon personnage est enceinte. Rencontre d'un proche avec des extraterrestres. Il est enceinte d'un extraterrestre. Oui, chers amis. Je pensais pas que ça ferait du one shot aussi, ça, mais bon. Et vous en faites pas, ça fait également partie du scénario que j'ai prévu dans les Sims 4. Ah, il va s'en passer des choses dans les Sims 4. Ah, je crois que... qu'on nous appelle. Il a enfin faim, je crois. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est que tu laisses tomber ça. Non, non, non. Tu lui fais un petit bib. Ah, mais il le prépare pas, en fait. Il monte direct avec, il l'a déjà préparé, il est dans ses mains. Ou alors, il va aller chercher le gamin pour bien s'encombrer les bras et aller ensuite récupérer un biberon dans le frigo, le faire chauffer, machin, avec... en fait, c'est un challenger, hein, mon perso. Mais c'est tout froid, c'est congelé. Il faut que ce soit à bonne température pour un bébé. Il est fou, lui. Non, là, on t'entendra plus. M'en veux. Qu'est-ce qui se passe? Câliné Fanny. Eh ben, va pour câliné Fanny. Ah, bah il n'y aura plus de câlin puisqu'elle a trouvé autre chose de visiblement plus intéressant à faire. Mais pourquoi il pignait encore? Ah, il a chié. Encore, il fait que ça. Dis donc, toi, c'est moi qui m'occupe du morveux, regardez-moi ça. Feignasse. Peut-être falloir intervenir un moment, hein. Alors, aujourd'hui, ils ont dit, c'est l'anniversaire... de Théoden. Théoden va se transformer en bambin. On arrive dans la période que j'apprécie particulièrement. Faudrait peut-être qu'on se prépare quelque chose. Le problème, c'est que si j'achète des trucs et tout, il va y avoir des musiques interdites par YouTube. Vas-y, au pieu. Tu le refous là-dedans. Voilà. Vous remarquerez, ça dure dans les Sims, ça dure 2-3 jours. C'est 3 jours, je crois. 3 jours, un bébé, avant de devenir un bambin. Et vous remarquerez, ses activités, elles sont tout à fait palpitantes. Hein. Il va dans son enclos, là. Il en sort pour chier, pour manger, il y retourne. Il en ressort pour aller par terre, il y retourne. Il chie, il ressort, il y retourne, machin, etc., etc. Ça en 3 jours, et vous remarquerez que finalement c'est assez réaliste vis-à-vis de la vraie vie, hein, pas forcément celle qu'il y a dans les Sims. C'est assez réaliste de la vraie vie, puisque dans la vraie vie c'est comme ça pendant 3 ans, pas 3 jours. Bon, allez, jette-moi ça et puis reprends ta préparation. J'ai l'impression que la boniche ne va plus aux étages. Et on ne peut pas nettoyer ça. C'est embêtant. Aucune action n'est nécessaire. Non, n'est possible, n'est possible. Pas d'erreur. C'est surprenant, ça. Pourtant, elle est bien toute sale, hein. On en rachètera une si jamais ça ne s'arrange pas. Si Fanny commence à faire caca partout, c'est qu'il sera grand temps de la changer, cette litière. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui auraient zappé, que quand elle se met face à la fenêtre comme ça, elle se met face en fait au mur. Là. Mais bon. C'est un chat. Les chats sont pas des plus dégourdis. Est-ce que c'est dans ses souvenirs du coup? C'est pas dans ses... Si, quand même. Ah. Alors ça,
Je ne m'y attendais pas du tout, c'est fou, c'est hallucinant. Tu vas voir à quel point c'est hallucinant, toi, dans 3 jours. Bon, et l'autre? Putain, mais l'autre, elle se fait plaisir. Hein. Petite nuit posée, pendant que lui, il fait tout le taf. Après, il bosse pas. Allez, on l'envoie au plumard. Comme ça, je vais pouvoir travailler tranquillement. Oh, merde. Au premier sens du terme, en plus. Hein. Tu me débouches ça et tu vas dormir. Putain, mais vu comment il s'acharne quand il débouche les chiottes, il débouche même tout le quartier, là. Bon, eh ben, chers amis, moi, je vais aller en mode achat pour acheter du matos pour l'anniversaire de l'autre glandu, là. Du morveux qui est à l'étage au-dessus. Qui, malheureusement pour nous, est réveillé. Donc, regardez-moi cette tête de fouine, là, qui n'attend que ça, que de réveiller ses parents. On se retrouve juste après ça pour éviter des musiques interdites par YouTube. Re les amis. Attention, ça a pas mal changé. J'ai ajouté quelques décorations pour fêter l'anniversaire de Théoden. Vous remarquerez sur le gâteau que généralement le jour où vous allez mettre autant de bougies sur votre gâteau d'anniversaire, vous ne ferez pas cette taille-là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Oh mais dis donc, il se permet des choses, il se permet de tripoter. Oh là 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 là, il se permet des choses. Bon. Bon, on va juste accélérer. Tant qu'il n'y a pas de morveux qui pigne. Oui, quand même. Au bout d'un moment, hein, je vois pas comment il pourrait être plus en forme que ça. C'est bon? Ben, ce que tu pourrais faire, c'est reprendre tes activités sportives, d'autant qu'il neige plus et que tout est revenu à la normale. On est à la fin de l'hiver. Oui, ça doit cailler quand même, mine de rien. Bah, je serai chercher Jessica dans une heure. Lui, il peut dormir en attendant, puisque de toute façon, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Marquerait que ses besoins descendent vachement vite depuis qu'il a vu les extraterrestres. Je pourrais peut-être les re-rencontrer. Ils pourront peut-être m'enlever la chose que j'ai dans le bide. Parce que là, ça va mal se passer, cette affaire. Moi, je vous le dis. Eh ben nickel. Hop. C'est joli hein, ces petits ballons. Tu vas les admirer, tiens. Oui, ça lui évoque visiblement beaucoup de choses. On va le laisser encore dormir un peu. Est-ce qu'on attend qu'elle soit... Elle rentre à quelle heure? 16h, on va être obligé d'attendre 16h pour fêter la nif du morveux. Allez, debout. C'est visiblement pas moi qu'on appelle, sinon ça serait mon portable qui sonnerait. Va répondre à tout hasard. C'est bien, elle a pas,
Cette boîte aux lettres, elle va se décomposer à force que tu pisses dessus. Ça sonne encore, hein? Est-ce que Jessica est disponible? Bah non, elle est au boulot, connasse. Enfin, connard, plutôt. Voilà. Voilà qui règle la question. Prends les restes. Hop. Ce qui est chiant, c'est qu'il sort tout le plat à chaque fois. Dans les Sims 4, on peut choisir ça. On peut choisir de ne prendre qu'une portion. Mais c'est fou! Va te resservir parce que. Ah, mais c'est parce qu'il est enceinte, c'est pour ça. On remarquerait, tout descend à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, il va sûrement prendre du bide aujourd'hui. Oui, nettoie tout. Tant qu'à faire. Est-ce qu'elle monte à l'étage, elle? Je veux en avoir le cœur net. Elle monte à l'étage. Donc elle va tout faire, elle va tout nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Il y a intérêt de toute façon. Ah. Il y a l'autre morveux qui pigne. Bah mes ballons! Mais ils font chier! Mes beaux ballons! Bah tant pis, plus de ballons. Va lui changer sa couche. Prends bien ton temps, surtout. On pourra beaucoup plus facilement changer les vêtements. Dans les Sims 4 également. Puisque là, la capacité de changer de vêtements est quand même assez limitée dans les Sims 2. On va pouvoir se faire plaisir dans les 4. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui sortait Voyage sur Batuu. Un nouveau DLC Star Wars-esque pour les Sims 4. J'ai pas encore pu tester. Mais je vais tester et à mon avis, il y a de quoi se faire plaisir. S'ils peuvent nous mettre un peu de fanservice, moi je ne dis pas non. Est-ce qu'on se ferait pas une petite fête? Organiser une fête anniversaire. L'environnement est si pourri que ça à cause des... Bah, au pire, elle va s'en occuper, elle. Par contre, tu touches pas au gâteau. Hein. Attention, hein. Je te surveille. Ah merde! J'avais pas fait gaffe à ça. Vite, elle revient dans une heure, il faut que tout soit prêt. Allez. Qui on invite? On peut inviter des animaux. Bah moi j'aurais bien envie d'inviter Eka. Qui on va inviter? Tarabato. C'est une ado ça. On va peut-être éviter quand même d'inviter... Par contre moi je veux inviter ma copine. Elle est où? Elle est où ma copine? Anna Patel. La voilà. On a des choses à lui demander concernant la grossesse. On va inviter Émilie Seguin, je ne sais pas qui est cette personne. Mon ancien professeur de l'université, allez hop, c'est parti. On va se mettre de la zic. Ah bah non, on peut pas. Et ben ça sera l'austérité.
J'ai pas de machin à musique ici? Ah si, il est à côté là. Attention hein, quand même. Hein. Il faudrait voir à pas pousser le bouchon trop loin, Martine. Anna Patel. Écoutez une blague salace. Ah bah ça, Anna elle est toujours là pour déconner. Hein. Je suis sûr qu'elle est toujours enceinte. C'est la fête, pour l'instant on rentre. Ça va Anna? Comment est-ce dandine alors qu'elle est enceinte? C'est ma copine Anna. Entraîne-toi à parler au bébé. Quel abruti quand il fait ça. Attention quand même. T'es mariée ma petite Anna. Vaudou. Ah d'accord. Bon, ils sont tous là les gens. Merde, le gâteau. Oh, fait chier. Bon, je reviens. Re. On va pas s'en sortir hein. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est son anniversaire, il est pas content. Allez, on va l'approcher comme ça, on va tricher. Parce que le fait de lui faire de le faire monter en âge va nous régler ce souci. Oui, on a compris, la boniche est partie. Il fait tout le grand tour, bien sûr. Elle a rien fait depuis qu'elle est rentrée. Ouais, c'est bon, ouais, tu vas te calmer. Allez hop, anniversaire. Ah, il y en a que 4, du coup. Il y en avait beaucoup. Hein. Bon. Ah oui, mais c'est parce que oui, il y a tout le monde qui va se pointer. Ça existe encore ces trucs-là. Il y a les langues de belle-mère aussi. C'est plus ça qu'il faut pour les... Hop là, tour de magie. T'as 3 ans de plus. Théoden n'est plus un bébé, c'est déjà un bambin. Quel honte de négliger ainsi cet Théoden à Paul. Donnez-lui à manger et vite. Eh, doucement, ouais. Ah oui, effectivement, oui. Après, on va dire qu'il est mal nourri. Préparer le biberon pour Théoden. Il prend encore des biberons? Je pensais que quand ils étaient bambins, c'était plus ça. Pourquoi elle fait le grand tour, cette crétine? Cette maison est vraiment trop petite. Bon, la fête est pas mal. Musique interdite. On va se faire bolosser. Bon, toi t'as eu une grosse journée, tu peux aller dormir. Elle va s'occuper du reste. C'est bon, ça va mieux? Fais-toi caca dessus. Tiens, bah on va t'enseigner à aller sur le pot vu que t'es pas loin là. Nino, professeur. Bah, c'est nickel. Ça a marché, non? Il s'est fait caca dessus. Comment on lave Théoden? Changer. Bon, ça a l'air d'avoir marché, ou je sais pas. Oh là là! Quel morveux!
Tu vas voir, dans les Sims 4, toi, on te mettra la misère. Enseigne-lui à aller sur le pot. L'avantage des bambins, c'est qu'on peut les contrôler. On peut les contrôler. Cet anniversaire restera dans les annales. Sans mauvais jeu de mots. Un seul mot, bravo, au score final de la fête, pas mal. Non, il est crevé, faut aller le... Ouais, faut aller le mettre au pieu. Oh là 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 là. Quel gnome. Allez, tu peux me nettoyer ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, ce pyjama. Bon, bah, dans l'ensemble, sinon, tout va bien. Parfait. Bon. Eh ben, ça fait une journée rondement menée, les amis. J'ai envie de dire qu'on va en rester ici pour cette vidéo. Alors, juste, je vais leur proposer de faire tout ce qui est nécessaire pour qu'ils aillent mieux. Bon, bah, lui... Ah oui, oui, lui, il a le bide... Avec un petit en route, Valentin a obtenu un congé maternité. C'est le moment de lever le pied pour prendre un peu de repos bien mérité. Hein. Et se détendre avant le grand jour, bien sûr. Oh putain, fais voir le bide. Oh là là. Oh là 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 là. On va essayer d'oublier ce qu'on vient de voir. Du coup, les amis, moi je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Il y en aura encore quelques-unes, je pense, sur les Sims 2. Il faut bien finir la série en bonne et due forme. Et puis après, on passera aux Sims 4. J'ai hâte. J'ai tellement de choses de prévues. Et puis, on se fera plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, à laisser des commentaires, à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur les Sims 2, sur Project Hospital, sur Siphon Filter, sur Conan, sur plein de nouveaux jeux qui vont arriver. Salutations de l'infini !